Extrêmement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, surtout pour une vidéo spéciale, parce qu'on va regarder les pires games ou les games des débutants sur Clash Royale. On va commencer avec une game au hasard. Je ne regarde pas. On va choisir celle-ci. Voilà. XXMR et AppType. Bon, je sais pas du tout comment dire ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, tous les deux débutants. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire. Ils hésitent. Ils mettent des archers. Mauvais mettre des archers. Et il y a un archer qui est dans le mauvais sens. Il aurait dû les mettre plus vers la droite. Bon. Jusqu'à maintenant, l'autre, il fait rien. Ça s'appelle son, voilà. Lui, pour le moment, il s'en bat les reins. Il s'en fout. Voilà. Il s'en fout royalement. Il envoie un géant. Voilà. Bam. Il a mis un bébé dragon pour contrer le géant qui ne fera pas grand chose. Une petite boule de feu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa boule de feu au milieu. Première erreur de merde. Il envoie un combo mousquetaire et chevalier. Ça aurait pu être une bonne idée. Et c'en est une. Le problème, c'est que la mousquetaire va one-shot le dragon. Encore un chevalier, voilà. Il défend bien et il attaque bien, comparé aux joueurs rouges. Il va y avoir un prince. Ah, ça va être serré pour lui. Seigneur. Ah, ça va faire mal. Ça va faire vraiment très très mal. Merde, il va falloir qu'il défend très très bien son... Voilà, les flèches. Il aurait pu envoyer un mini PK sur la tour de principale. C'est moi ça, c'est moi ce que j'aurais fait. Voilà. J'aurais dû dire... Vous auriez pu mettre un géant avec un mini PK. Voilà, il est défendu jusqu'à maintenant. Nickel. Oh mon dieu. Voilà. La petite boule de feu. Les fléchettes. Bam, bam, bam. Oh, un combo de la mort. Aïe, ça va. C'est mort son affaire. Aïe, il va mourir. Il est mort. Oh, remontée spectaculaire. C'est le joueur bleu qui a gagné. GG à lui. J'ai pas vu trop de... Comment on dit, de merde dans cette game. Ils se sont bien débrouillés. Alors, on va aller voir une autre game. J'aimerais bien un truc qui déchire. Oh, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Voilà. Il y a un islamiste et un qui s'appelle Timbo. Et bien, voyons voir ce qui va arriver. Donc, déjà, il envoie des squelettes avec des... il a mal positionné ses fléchettes, donc il a pas pu tuer tout. Voilà. Il envoie une petite boule de feu. L'autre, il envoie un PK avec un bébé dragon. Voilà. Un petit tour à bombe des familles, voilà, qui a détruit la tour et la tour à bombe.
Donc, voilà. Il a tenté de one-shot le dragon avec une boule de feu, mais il l'a raté. Alors, le dragon, le bébé dragon est tué. Et les petits squelettes aussi. Voilà. Ah, le feu à gobelin. Ça là, le monde sait même pas comment le mettre. Il ne faut pas le mettre comme ça, il faut mettre en triangle. Bon, il a fait beaucoup de dégâts. Et lui, il défend un peu son... son armée squelette. Bon. Boum, boum, boum. 834 à la tour. Il envoie un bébé dragon avec ça. Pas vraiment un très 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 bon deck. C'est un deck avec beaucoup plus de bâtiments qui défend, qui attaque, genre. Bon, on va pas revenir là-dessus. Donc... voilà. Le petit. Il ne défend pas ça. Ça va être fatal pour lui. Et effectivement, c'est fatal pour lui. Parce qu'il a fait 3 étoiles. GG. 3 couronnes. Pas 3 étoiles. Bon, on va faire nous aussi quelques petites attaques quand même. Parce qu'on existe aussi. Il n'y a pas juste les petits. On va faire une attaque. Puis on va se laisser là-dessus. Donc. Avec qui on va contrer? Petit sorcier de glace que j'ai récupéré dans un coffre en or. Si vous ne savez pas pourquoi, allez voir ma dernière vidéo. J'ai eu un sorcier de glace dans un coffre en or. Donc, voilà. Le Narvan sorcière. Ok. Je vais envoyer un bélier et un petit. Voilà. On va faire un petit zap. Voilà, on détruit la petite sorcière de famille. On envoie un bûcheron. Voilà. Oh, purée de pois chiche. Bon. Pas grave les poteaux. On va faire, on va attendre qu'on ait un 9 et on va envoyer un géant royal avec des archers pour défendre. Donc un petit géant royal avec les petits archers en arrière. Ah, il a sorcière encore, la sorcière. Voilà. Petit truc, même si je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai pas assez d'élixir pour défendre cette élixir. Voilà, et puisque on n'a pas été digne de truc avant, une attaque du bûcheron avant, tout a bien été, on a fait quelques dégâts. Repositionner, voilà. Donc, j'ai envoyé ça avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en battu les reins? Non, pas vraiment. Il s'en bat pas du tout les reins. Voilà, on a pris la tour. Ça va être un peu dur de défendre. Est-ce qu'il a fait de la merde? Voilà, on défend la mousquetaire. On avait un petit bélier ici pour le contrer. Un autre sorcier de glace. Deux sorciers de glace, ces poteaux. Oh putain. Attention. Voilà, on va le distraire avec ça. 3, 2, 1. Et voilà, on a gagné contre lui. Je me demande qu'est-ce qu'on avait à avoir. Un petit coffre d'argent de merde. Mais c'est pas grave, on a eu quelques pièces. Alors j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de voir des débutants attaquer.
Si oui, les atomes of, abonnez-vous à la chaîne, laissez des gros pouces bleus. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un clan des abonnés, ce serait super cool. Alors qu'on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Ciao, ciao.